démontrer à des clients ou dans le discours au commercial que voilà, tel effet sur sa conduite, ça fait gagner ou ça fait perdre tant d'essence. Donc, dans une utilisation comme au quotidien de vos véhicules, régime et accélération que vous adopteriez comme si vous étiez dans un trajet classique sur route. Ça veut dire quoi? C'est là, vous conduisez à votre main. D'accord? À décoller. Concentration. Il y a tous les deux là. C'est pas mal. On part en vacances. Reste sage. Hein. C'est le run d'après là. Ah non. Elle est pas chaude peut-être là. Si, si, elle est chaude. Elle est chaude, vous roulez avec. Oui, oui. Donc là, hop, l'accélération à fond, vous voyez tout de suite qu'on arrive à 16-18 litres. Si on reste comme ça constant, ça reste stable. Alors le but, c'est, si vous accélérez, c'est d'avoir des accélérations stables. Enfin, je freine. Si je freine là, c'est que j'ai trop accéléré, puis en fin de compte, j'use les freins, les plaquettes, les pneus pour rien. Et si je repars là, regardez, on arrive à 13-15 litres. Coaching, donc c'est le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 7. Là, hop, tout de suite, une autre vitesse. Ouais, alors là, vous avez pu sauter une vitesse directement. Mmh. Au lieu de faire 2-3, oui. Vous pourriez faire 4-5. Hein. Parce que regardez, là, dans le virage, c'est au-dessus du régime, vous êtes carrément à 2000, on ne consomme pour rien. Accélérez pas trop, vous êtes le pied trop lourd. Vous avez senti? Oui, c'est là, hein, que, hein, c'est là que j'ai mes soucis. Et là, vous voyez bien que le véhicule ne va pas plus vite. Non, non, si non, vous décélérez, il repart mieux. Ouais, il veut pas. Ouais, il veut pas. Hein. Il faut
accélérer en sortie et pas entre les deux. Ah non, pas entre les deux, ça sert à rien. Et puis ça bouffe les pneus. Et ça bouffe les pneus, ça bouffe tout. C'est là que je peux remettre un petit peu, voilà. Et après je lâche. Voilà. Et j'accélère un petit peu. Mais non, oh non. Oh là là, tout je faux. Je change. Yann, c'est parce qu'il nous a dit. Non, t'accélères pas dans le virage. À la sortie. T'accélères quand les deux roues sont parallèles. Donc on ralentit un peu avant le virage, et le pied gauche calé, on monte l'avant et on garde bien la sortie. Ouais, mais les deux mains sont du même côté, c'est pas bon. On accélère pas trop tôt. Tu sens Ouais, toujours... ouais. Accélère, est-ce qu'on sent comme ça allez, on prend un peu de régime, accélère bien. Accélère, encore. Hop, cinquième directus. Vitesse constante, voilà. Voilà, c'est un tout petit peu. Conduite agressive. 1058. Effectuez votre trajet, simulez une conduite citadine en marquant un stop 2 secondes avant chaque virage et un arrêt de 1 minute à chaque tour. Pas ou peu d'anticipation du frein moteur du point d'arrêt. Utilisez principalement vos freins. Faites des démarrages francs en exagérant l'accélération. Poussez les rapports jusqu'au sur-régime. Attention toutefois à ne pas excéder 50 km/h. Ouais. C'est agressif. Objectif 15 litres. C'est parti. Messieurs. Oh putain, t'as la dernière modèle de course toi. Oui, je fais l'éco-conduite parce que j'accélère pas dans les virages, je maintiens. Chicane d'Ivenaudière. On va s'arrêter à la vie et de la béquille. Boîte 10 vitesses. Et la ligne droite. Un peu plus de 50. On va essayer de calmer le jeu. Faut insulter les gens. Accélération franche. Oula, il y a du monde sur le circuit là. Oh, ça roule pas aujourd'hui. GFA est en train de nous faire.